Merci à Ice Adventure de soutenir Storlific et vos aventures cet été, notamment avec leurs services réparation, entretien et location pour des aventures grand format mais durables. Lien dans les notes. Ces masterclass vous sont offertes aussi par Leatherman, l'outil polyvalent par excellence. Que vous soyez en pleine ascension, à vélo ou sur un voilier, Leatherman sera votre meilleur allié. Avec 25 ans de garantie, il est impossible de se tromper. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Hélène Keller. Bienvenue sur cette série de l'été en mode masterclass sur Storylific, le podcast de ceux qui veulent faire de leur vie une aventure. Je suis Anne B et dans cette série, on te file les meilleures astuces pour vivre un été 100% passion. Grande randonnée, bivouac, exploration kayak en eau chaude ou froide, voyage à vélo, voyage original en train ou encore en voile ou bateau stop, et j'en passe, on te donne les meilleurs plans des pros pour créer tes aventures. France Inter a essayé de me le piquer, je l'ai récupéré. Briec Jaffres, auteur du blog Besoin d'aventure, a été mon invité dans l'épisode 54 et il nous revient, non plus pour parler de ses aventures, mais pour vous aider à construire les vôtres. Méfiez-vous de son air tranquille, car Briec est l'un des aventuriers les plus complets que je connaisse. Ski alpinisme, haute montagne, kayak de mer, dans le Grand Nord, voyage à la voile, grande randonnée en autonomie, voyage autour du monde à vélo quand il ne donne pas des cours de navigation commerciale ou ne part pas en mer à la barre de l'incroyable navire le Belém. Briec Jaffres sera cet été le capitaine de vos aventures et croyez-moi, vous serez en de très très bonnes mains. Vous avez toujours rêvé de bivouaquer sans jamais avoir osé vous lancer ou vous voudriez entendre un expert sur le sujet? Formule tente, tarpe ou hamac, on en parle ce jour avec Briec pour que vous partiez avec ni trop ni trop peu et que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles en toute liberté. Bonjour Briec Jaffres, rebonjour sur Storylific pour les petits conseils pratiques de l'été. Bonjour Anne B. Aujourd'hui, donc, on va parler des bivouacs. Alors ça envoie quand même du rêve, bivouaquer en pleine nature. Mais alors, on va voir avec toi ce à quoi il faut penser, où est-ce qu'on peut le faire, qu'est-ce qui est à prévoir dans son sac pour ne pas porter le poids de ses peurs. Du coup, tu me l'as dit dans l'autre épisode, j'adore ce truc, c'est tellement vrai. Et aussi pour ne pas se retrouver avec des gros oups et passer une nuit très, très, très médiocre, ce qui n'améliore pas les performances de la journée qui suit. Et quand il y a plusieurs journées de suite, ça peut vite vous gâcher des vacances ou une aventure. Donc, ce serait trop bête. Dis-nous tout pour une aventure en bivouac. On va commencer évidemment par un peu de facilité en été. Donc toi, tu randonnes beaucoup. On a fait un épisode sur la randonnée, comment se mettre à la randonnée. Un bon bivouac d'été, est-ce qu'il y a des grosses différences entre randonnée dans un GR classique ou un GR de montagne? Déjà ça, même en été, je suppose qu'il y a des petites choses à prévoir en plus. Donc on va d'abord prendre celui campagne classique où il n'y a rien de spécial. Donc pas montagne. On va commencer par un bivouac estival, ou le pire qui peut arriver, c'est de la pluie. Alors, pour un bivouac en zone pleine, estivale, déjà au niveau vêtements, on va pouvoir s'alléger un petit peu parce qu'on ne va pas avoir le problème de la montagne où il peut faire vraiment frais, voire froid même en été. Donc ça va être bien, on va avoir un sac à dos quand même un peu plus léger. Après, alors pour l'organisation du bivouac, il y a pas deux écoles, mais il y a deux possibilités, c'est soit la tente, soit pas la tente. Et quand je dis pas la tente, ça peut être par exemple un tarp, c'est-à-dire juste une toile de protection qu'on va venir installer soit avec des bâtons de marche, soit entre deux arbres. Il y a plusieurs possibilités. Ah oui, ça c'est l'option avec le tarp et le bâton de marche, c'est l'option de Samuel que j'ai interviewé, qui est parti de Gibraltar pour arriver à Istanbul à pied et qui est en train de revenir en bateau stop justement. Okay. Donc il met un peu en application tout ce dont on est en train de parler. Et ouais, alors la différence entre ces deux choses-là, le tarp et la tente, c'est que le tarp, on va avoir beaucoup moins de protection. On peut gagner un peu de poids parce que le tarp est généralement un peu plus léger qu'une tente, quoique ça se discute. On parle de combien de grammes ou de kilogrammes en alors, général une tente pour une personne, une bonne tente pour une personne, ça va être entre 900 grammes et 1,3 kg, hein, du bon matériel. Mm-hmm. Un tarp, on peut être à 500 grammes,
Mais le truc, c'est que la différence, c'est que dans, enfin, la différence de poids, on va peut-être être obligé de la rattraper au niveau des vêtements, parce que dans un tarp, on est quand même moins protégé que dans une tente. Et s'il fait un peu frais la nuit, eh ben, on aura plus froid dans le tarp, donc il faudra peut-être avoir une petite doudoune en plus ou quelque chose en plus. Donc c'est pour ça que la différence de poids, je dis, ça se discute un petit peu. Moi, ce que je Relatif. conseille en fait, c'est que si on a envie de dormir avec un tarp. Parce que c'est vrai que c'est sympa, on a l'impression d'être encore plus dans la nature, d'être vraiment dehors, on a juste un petit truc au-dessus de nous. Je trouve que c'est une bonne solution quand on part une nuit, deux nuits, trois nuits, et qu'on a de la visibilité sur la météo et qu'on sait qu'il ne va pas pleuvoir. Là, ça va être top. Par contre, si on part plus longtemps et qu'on sait qu'on va devoir enfin, faire face à du soleil, de la pluie, de l'orage, etc., bah, une tente, c'est quand même vachement plus polyvalent. Et c'est vachement plus confortable et on va pas trop se poser de questions. S'il fait mauvais, ben dans la tente, on sera évidemment, si on a une bonne tente, dans la tente, on sera bien au sec et on sera au chaud. Et c'est quand même beaucoup plus, voilà, je veux dire, sécurisant et surtout confortable, quoi, au niveau de l'humidité. Ouais. Je peux confirmer qu'il y a des tentes qui sont vraiment hyper étanches. Elles sont de mieux en mieux conçues parce qu'une fois, on avait Harold qui partait. on lui a demandé s'il attendait au détroit de Gibraltar justement à trouver un bateau. Et il y a eu énormément d'eau qui est arrivée dans le campement, mais vraiment énorme. Ça passait, ça coulait sous la tente. Et donc, il nous a appelé en vidéo call et il appuyait. Tu voyais vraiment qu'il y avait de l'eau partout en dessous de son truc. Je dis, ouais, bah, c'est le grand luxe ce soir. T'es sur matelas aquatique, c'est génial. Et mon mari qui passe, qui dit, mais il est en train d'essayer de traverser le détroit en tente. Ou quoi? Donc oui, ça peut être vraiment très 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 étanche quoi. Ouais. Donc ça c'est clair que ça peut quand même être précieux. Ouais. Et puis il y a le Et puis les bébêtes côté, aussi. voilà, c'est ce que j'allais dire, il y a aussi le côté bébête. Alors il y a les bébêtes qui peuvent nous faire peur, mais il y a aussi tout simplement les moustiques. Bah, dans un tarp, avec un Qui sont tarp, quand même des gros on n'est vecteurs quand de même maladie, hein. pas protégé, quoi. Donc dans certains pays, effectivement, ça va être vecteur de maladie. Si on parle plus de chez nous, il n'y a pas trop de soucis, quoique dans le sud de la France, il y a la dingue maintenant, hein, Ça commence. mais voilà, ça peut être quand même bien inconfortable. Ouais. Ça truine un peu la nuit, quoi. Et le hamac? Moi, j'adore parce que enfin, j'ai fait une fois une itinérance en Corse, de mer à mer à cheval. Et par terre, moi, sur un petit matelas, t'oublies, je ne sais pas dormir. C'est pas, j'y arrive. Tandis que dans un hamac, mais j'ai passé des nuits de rêve. Voilà. Il Ouais, faut juste trouver le. les arbres, évidemment. Le hamac, ça peut être une solution. Évidemment, la contrainte, c'est d'avoir obligatoirement des arbres. Mais si on sait qu'on a une zone où il y a forcément des arbres, c'est une solution qui est intéressante. Bon, je pense que c'est bien d'avoir testé avant pour être sûr qu'on arrive à dormir dedans. Hein, parce que voilà, il y a des gens qui aiment beaucoup le hamac comme toi, il y en a qui détestent ça. Et il y a des hamacs de bivouac dans lesquels on a un tarp intégré, donc une petite toile sur le dessus, pour se protéger de l'humidité. Donc ouais, ça c'est une solution Et il y qui en a peut même qui ont être. des moustiquaires, ça c'est pas Et il y mal. en a qui ont des moustiquaires. Ouais. Alors ne croyez pas par contre que parce que vous n'êtes isolé du sol par la distance qu'il y a, que vous dormez donc pas sur le sol, que vous allez avoir plus chaud parce que ça écrase complètement la couche d'air en dessous de vous. Donc en général, c'est pas ça nécessairement qui est le plus chaud, hein. C'est particulièrement aéré, donc ça n'est pas une solution pour des températures mitigées. Ouais, de toute façon, souvent le tarp ou le hamac, on va privilégier ça dans des zones où il pleut pas beaucoup et où il fait quand même relativement chaud, quoi. Je crois qu'on a plus chaud, je veux dire, au sol avec un petit matelas galette le plus léger possible que sur un hamac, quoi. Oui, Voilà. complètement. Ouais, le hamac peut être intéressant, par exemple, je pense à la Croatie. Si on veut faire la Croatie en kayak, on arrive sur des rivages où il y a toujours. Des grosses roches, enfin c'est très rocheux, donc c'est quasi impossible de mettre une tente, c'est compliqué. Mais par contre, il y a toujours quelques arbres à droite à gauche, et donc là, le hamac est parfaitement adapté pour ça. Il fait généralement très beau, il fait chaud, donc ça dépend. Voilà, le choix est à faire aussi beaucoup en fonction de là où on va, quoi. Et comment tu arrives à savoir qu'il y a des arbres, mais très peu de plats sur ces plages de Croatie? Tu regardes dans des blogs, Eh ben, je lis beaucoup de magazines et de t'as des blogs et ressources? de. Ouais, j'ai des ressources. J'ai des ressources. Je lis Ah ouais, beaucoup super. de récits récits de voyage. En fait, il y a des endroits quand j'y vais, même si c'est la première fois, j'ai l'impression d'y avoir déjà été, tellement je me suis renseigné sur le truc et tout. Alors certains vont dire, ah ouais, mais c'est pas la découverte et tout, mais moi j'y peux rien, je lis tous ces trucs-là, ça m'intéresse, et puis je me fais plaisir à préparer et à savoir comment c'est à l'avance. C'est ma façon de faire. Après, on peut partir aussi sans.
comme on disait, hein, c'est chacun son truc. Il y en a qui aiment bien que ce soit bien calé, avoir tout le matos qu'il faut. Il y en a d'autres qui adorent être surpris qu'il t'a galéré. Ça, chacun suivant son ADN. Hein. Ok, super. Donc le tarp, le bivouac. J'avais vu aussi qu'il y avait une espèce de cap poncho et ça lui avait fait un abri improvisé, un tarp improvisé une fois où c'est, il avait dû finalement, il n'avait pas trouvé de refuge et il faisait pas hyper beau. Donc quand il fait vraiment mauvais, il dit c'est la galère. Hein, il a dû une fois se relever pendant la nuit pour trouver autre chose parce que ça n'allait pas du tout. Mais sinon, pour abri très modéré, la cap poncho peut sauver la mise. Au moins, apparemment. Ouais, ouais. C'est un système D comme un autre. Il y a même des marques qui proposent des tarpes poncho qui sont vraiment prévues pour faire les deux. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour amarrer le tarp, right. Enfin amarrer, accrocher. Je parle marin. Et, voilà le marin qui remonte. et avec la forme, avec la capuche et tout ça pour faire poncho. Quoi. C'est vraiment prévu pour faire les deux. Ah d'accord, et c'est aussi grand qu'un tarp classique ou c'est quand même un peu plus, faut pas mesurer plus d'1,55 m. J'en ai jamais vu en vrai, mais ça a l'air, ouais, je sais plus quelles dimensions ils font, mais bon, c'est des dimensions à creuser, ouais, correctes hein, pour rester tout. Quoi. Intéressant. Et bah ton marche, ton tarp poncho, et t'as déjà un équipement polyvalent assez intéressant. Hein. Ouais. Ok, et donc la tente plus confortable évidemment, donc à chacun de voir ce qu'il veut. Ça pour l'été, pour l'hiver, la question ne se pose même pas. Parlons un peu d'équipement de base pour faire un bivouac et aussi ben, où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on ne peut pas, où est-ce que ce n'est pas clair. Alors je dirais pour l'hiver, la question peut se poser parce qu'en hiver, on a souvent moins de problèmes d'humidité. Parce que quand on est dans la neige, tu vois, en montagne, en France, l'air est très sec en fait. Et donc si tu pars juste pour une nuit, voilà, que tu sais qu'il va faire beau et que tu as un super gros duvet bien chaud, et que tu as un super gros matelas, un bon matelas voilà, prévu pour l'hiver. Bien isolant. Avec éventuellement un sursac qui respire bien, tu peux te faire des bivouacs dans la neige sans trop de soucis. Il faut que les conditions soient clémentes. Quoi. Mais ça peut être sympa. Et ça, c'est pareil, hein, pour tester, on peut faire ça pas loin de chez soi ou pas loin d'un village pour tester une première fois et puis voir ce que ça donne. Quoi. Et au pire, on peut faire ça à 500 mètres de sa voiture. Et puis si ça ne va pas, on rentre dans sa voiture. Enfin, voilà, il y a plein de solutions pour tester de manière simple. Quoi. Ok. Et donc sinon, le bivouac d'été, dis-nous le béaba du bivouac d'été. Où je peux le faire, ce que je dois prendre. Les zones de bivouac, c'est très variable. Il y a beaucoup d'endroits où ça va être toléré. Je dis toléré parce que si on prend les textes réglementaires et qu'on lit vraiment tout, finalement, il y a beaucoup de restrictions. Mais au final, c'est quand même assez souvent toléré. En montagne, dans des alpages, si ça n'a pas été interdit par une commune ou un parc naturel ou des choses comme ça, c'est plus que toléré, hein, c'est accepté. Après, ça dépend si on est dans un parc régional, parc national... par exemple des parcs nationaux, on a souvent le droit de bivouaquer uniquement près des refuges la plupart du temps, chaque parc est différent. Il y a des communes aussi qui dernièrement ont commencé à interdire le bivouac dans des zones près des lacs parce qu'il y avait de plus en plus de monde à venir bivouaquer et avec les problèmes, des problèmes de pollution naturelle et non naturelle qui vont avec. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils interdisent tout simplement le truc plutôt que de réfléchir à un aménagement possible. Il y a des idées hein, à creuser dans cette voie. Quoi. Ouais. Et pour ouais, j'avais appris donc qu'effectivement, si tu veux te laver à la sauvage, il vaut mieux en fait aller prendre son petit truc d'eau et aller se laver un peu plus loin, parce que avec du savon biodégradable bien sûr, que vraiment d'aller se laver dans les rivières, c'est beaucoup moins polluant parce que la terre va filtrer. T'as déjà entendu ? C'est aussi un conseil que t'as entendu ? Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Bah tu vois, moi, ce côté-là, j'étais surprise. Bon, après, c'est clairement moins pratique hein, de faire ça. Après, ça dépend surtout avec quoi on se lave. Si on se lave avec un savon, le plus naturel possible, bon, c'est pas notre sueur qui va salir beaucoup la rivière, je pense. C'est plutôt l'agent nettoyant qu'on va utiliser auquel il faut faire attention. Oui, voilà. Comme on parle aussi plus en plus crème solaire aussi. Ça par contre, ça pollue beaucoup la crème solaire. Donc c'est vrai que si on se nettoie le visage et tout, c'est sûr si on le fait. En dehors de la rivière, c'est forcément mieux. Quoi.
Il y a aussi un truc en montagne, c'est les petits lacs de montagne qui sont en fait hyper fragiles au niveau de tout ce qu'il y a dedans, des animaux, de la faune, de la flore. Et souvent, ça peut être tentant de se baigner. Mais le fait de se baigner et qu'on s'est tartiné de crème solaire avec, comme le lac est petit et qu'il y a peu d'eau, ben en fait, on crée une grosse pollution par rapport à ça. Donc voilà, il faut y penser. Après, on n'y va pas, mais ouais. C'est bon à savoir. Quoi. Mmh. Donc même si vous avez mis votre crème solaire spéciale pour respecter les récifs coralliens sur les lacs de montagne, je crois que ce sera quand même kiff-kiff bourrico. Ça va pas aider beaucoup. C'est vrai que parfois j'appelais ça la marée noire quand t'es dans des criques comme ça avec tout le monde qui s'est bien tartiné de crème solaire et puis qui rentre dans l'eau et tu vois des espèces de flaques comme ça vertes roses, vraiment comme si c'était du pétrole. Tu dis mouais, je suis pas sûre que le concept soit excellent. Donc voilà, ça c'était la parenthèse crème solaire. Alors si on va bivouaquer dans des endroits où il y a des ours, donc ou des bébêtes un peu plus qui peuvent être un peu plus embêtantes, donc toujours la nourriture. Hein, j'ai vu que il y a beaucoup d'endroits où tu as des parcs nationaux. Là, on parle évidemment plus spécialement de la France, mais où il y a des caisses pour la nourriture, des caisses fermées où un ours ne sait pas rentrer, qui sont éloignées à ce moment-là des endroits de campement, des caisses en fer. Et donc, si jamais il n'y en a pas, ben, toujours bien éloigner la nourriture, la mettre en hauteur. Et alors, Sophie Planck, qui avait fait une grande... qui avait fait d'Alaska à la Patagonie à vélo, elle m'avait appris que le dentifrice, c'est aussi quelque chose qui peut terriblement intéresser les ours. Et donc, il ne faut pas aller cracher son dentifrice innocemment, tout près de sa tente, en essayant de maintenir une parfaite hygiène buccale. Et qu'il y avait des dentifrices à mâcher et à avaler, qui étaient prévus dans ces cas-là. Donc, c'est super intéressant, tu dis, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas du tout, quoi. Ouais, c'est sûr que l'histoire du dentifrice, si on ne le sait pas, on ne risque pas de se le dire soi-même comme ça, quoi. Ouais, pour les ours, comme tu dis, hein, c'est éloigner la nourriture, la mettre en hauteur, ça c'est la chose principale. Après, j'ai une petite anecdote là-dessus à vélo, mais... Ah, raconte. Mais voilà. En parlant des ours, on est parti 15 jours en Slovénie, en famille, il y a quelques années. Et on roulait sur les routes bitumées. Et puis le soir, généralement, on demandait aux gens dans la campagne, on leur demandait un conseil pour un endroit pour mettre notre tente. Donc l'idée, c'était de pouvoir mettre la tente dans un champ ou un jardin à côté d'une maison pour créer un peu une interaction avec des gens. Et un soir, on arrive à un endroit, il y avait un arbre avec un gros panneau, avec un ours dessus et un truc écrit en slovène. Donc on ne savait pas ce qu'il y avait vraiment marqué dessus. Et donc, on demande à la maison si on pouvait mettre la tente quelque part. Ils nous disent « Ah oui, vous pouvez vous mettre là, etc. » Et on leur dit « Mais c'est quoi ce panneau ?» Parce qu'on savait qu'on commençait à arriver dans une zone où potentiellement, il pouvait y avoir quelques ours. Et ils nous disent « Bon, oui, c'est parce que des fois, il y a des ours, mais il n'y a pas de problème. Ils restent tout le temps dans la forêt, ils ne viennent jamais ici. » Donc, on s'installe là. Et en fait, toute la famille qui était dans la maison part. Et en fait, il n'y avait que la grand-mère qui dormait dans la maison. C'était la maison de la grand-mère. Et donc là, le soir, avant de se coucher, on se dit « Bon, peut-être on met la nourriture, tout ça. Peut-être on va la mettre en hauteur, on va l'éloigner parce que, bon, il y a quand même le panneau. » Et donc, on s'endort. Mmh. Et là, dans la nuit... j'entends comme un grognement, c'est pas de cochon, mais de sanglier. Mmh. Enfin, j'entends un grognement, je me dis « Oh, ça ressemble à un sanglier !» Et puis, je bouge pas. Alors, faut savoir que toute la nuit, ma femme a très mal dormi à cause de l'idée des ours, quoi. Et puis, après coup, j'ai pas bien dormi après ce bruit-là. Et en fait, après coup, je me suis dit que c'était un sanglier, mais j'ai dû vouloir me rassurer en me disant ça, parce que quand je repensais au bruit, plus je repensais au bruit que j'avais entendu, et plus je me disais, mais en fait, ça peut être complètement le bruit d'un ours, quoi. J'ai pas croisé, j'entends pas des ours tout le temps, mais. Mmh. Et en reparlant le matin avec ma femme, en faisant le bruit, etc., on s'est dit, non, mais. Bon, voilà, je ne saurais jamais si c'était un sanglier ou un ours, mais possiblement, il y avait des ours dans cette zone-là, donc il y a peut-être un ours qui est venu renifler à côté de nos tentes et on le saura jamais. Ok, donc toujours mieux pour prendre ses précautions, ce n'est pas une mauvaise idée, quoi. Ok, mais sinon, le bivouac de base, je veux partir avec des copains, des copines, non, ça, ou mon chéri, voilà, on se fait un petit bivouac, qu'est-ce qu'on prend ? En été, tu prends un réchaud en général ou tu n'en prends pas ? Parce que bon, il fait bon et c'est quand même du poids. Ouais, en général, je prends un réchaud. On pourrait manger froid, mais c'est sympa, je trouve, d'avoir le réchaud, de se faire
son petit repas, de faire un petit thé ou un petit café le soir ou le matin. Donc, ouais, en général, j'ai un réchaud. À ce propos-là, on signale quand même un des gros accidents qui arrive beaucoup trop souvent, c'est l'intoxication au CO. Donc, on ne met jamais un réchaud dans une tente, même quand il pleut, des averses. C'est vraiment dangereux. Hein. Donc, ça, j'en ai parlé avec l'explorateur belge Alain Hubert, qui avait traversé l'Antarctique en ski poulka, justement, et aussi avec des voiles. C'était dans le premier à l'époque. Il a failli passer. Hein. Son collègue l'a vu tourner de l'œil, partir dans les vapes. Ouais. Effectivement, c'était le petit réchaud qui a eu un défaut et voilà. Et pourtant, il n'était pas sa première expert, hein, donc, mais il a fait cette connerie-là. Et, donc jamais. Ouais. Et ouais, réchaud, petite gamelle, lampe frontale évidemment. Bah, finalement, quand on part en bivouac, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Hein, une fois qu'on a son duvet, sa tente ou son tarp et son matelas. Un petit réchaud, une petite gamelle, une fourchette cuillère, un petit gobelet éventuellement pour boire le liquide, un peu de nourriture, et puis après bah, le triptyque briquet, couteau, lampe frontale. Puis on est bon, après j'ai envie de dire le reste c'est... Plutôt briquet ou pire à feu ? Ah, plutôt briquet parce qu'on m'a dit que c'était pas mal non plus. Parce que pour allumer un feu quand il fait humide... T'auras beaucoup plus de facilité avec un briquet qu'avec une pierre à feu. Moi, j'ai toujours deux sources de feu. Donc, si j'ai un briquet, j'ai des allumettes, des petites allumettes étanches là. Alors, l'idée des allumettes étanches, c'est que justement, elles prennent pas l'humidité. Donc, même si elles sont un peu humides, elles fonctionnent. Donc, soit j'ai briquet allumette, soit j'ai briquet pierre à feu. J'ai toujours un truc en double, voire deux briquets si je prends que des briquets. Mais souvent, j'ai quelque chose de différent. Et tu t'allumes des petits feux ? On peut allumer partout des petits feux quand on s'amuse à bivouaquer ? Hop, on rassemble un peu de bois, on se fait son petit feu ? Ou c'est juste pour ton réchaud ? Non, on peut pas allumer des feux partout. Faut se renseigner, encore une fois, si c'est autorisé ou pas. Encore une fois, dès qu'on est dans les parcs régionaux, nationaux, tout ça, souvent c'est interdit. Sur les rivages, en bord de mer, généralement c'est interdit. Donc ça dépend des endroits. Ça dépend si le terrain est... Voilà. Après, il y a des endroits où ça peut ne pas être interdit, mais où il va falloir faire attention par rapport aux incendies. Mais c'est vrai que des feux, c'est de plus en plus compliqué de faire des feux. Il y a de plus en plus d'interdictions par rapport à ça. D'accord, donc on ne va pas tout faire, c'est comment faire prendre un feu quand il flotte. Bah après, oui, un feu s'il est là pour se réchauffer en cas de secours, etc., bon, faut... Dans ce cas-là, on a le droit de faire un feu, je vais dire n'importe où, mais c'est pas le feu de loisir qu'on fait dans ce cas-là, quoi. C'est vraiment le feu pour se réchauffer. D'accord. L'astuce maître campeur pour trouver du bois sec ? Bois sec, ben, directement sur l'arbre, mais arbre mort. Là, c'est là qu'on aura le bois là, le plus sec. C'est nickel. Le plus sec possible. Ok. Super. Donc, bivouac, ouais, les matelas, tu as des choses que tu conseilles ou déconseilles formellement pour les matelas ? Pour les matelas, on a principalement trois types de matelas. Il y a des matelas en mousse. Alors soit il y a des mousses très très fins, très légers, mais vraiment pas confortables. Hein, c'est presque comme si on n'avait rien. Il y a des matelas en mousse qui sont avec des formes un peu de boîte à œufs, qui sont déjà beaucoup plus agréables, qui se plient en forme d'accordéon. Voilà, ça reste un peu rudimentaire, mais c'est léger, c'est pas cher, ça crève pas, c'est costaud. Donc c'est une solution qui est intéressante. Et après, si on veut plus de confort, on arrive sur des matelas un peu plus chers. Donc là, il y a soit du matelas auto-gonflant, donc c'est des matelas assez fins, mais dans lequel il y a de la mousse. Et donc la mousse va faire que le matelas va se gonfler un peu tout seul et va juste falloir insuffler 3-4 fois à la fin pour finir de gonfler le matelas. C'est assez confort, c'est même très confort, et mais c'est un petit peu lourd. C'est, dans les prix, c'est gamme moyenne, on va dire. Et après, au-dessus, en prix, il y a des matelas gonflants. Donc là, il va falloir souffler beaucoup plus dans le matelas parce qu'il ne va pas se gonfler tout seul. C'est en plus des matelas qui sont plus épais, qui font à peu près 5 cm en moyenne d'épaisseur. Mais souvent, il y a un sac pompe. Il y a une espèce de petit sac qu'on remplit d'air et puis on appuie sur le sac et on n'est pas obligé de souffler dedans. Donc ça, c'est ça dépend des modèles. Là, j'ai trouvé un dernier modèle là, qui est hyper confortable. Ça coûte assez cher, mais et puis c'est un peu fragile. C'est ça l'inconvénient, c'est que dès qu'on aura mis la tente
sur des herbes un peu piquantes, des trucs comme ça, on peut avoir des perforations. Bon, cela dit, le dernier modèle là, que j'adore, je l'ai utilisé dernièrement pendant 8 mois d'affilée, j'étais en tente. Et il n'a pas crevé une seule fois et j'ai hyper bien dormi. Quoi. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu étais parti pendant 8 mois comme ça ? Je suis parti en Australie en famille. Mais pour le coup, là, on n'était pas en mode rando, tout ça. On était véhiculé et puis on a fait des randos et du surf là-bas. Quoi. D'accord. Ah, il fait du surf aussi. Bon, il fait tout. Et donc, vous dormiez en tente ? Ouais, on a passé 99% des nuits en tente. Ah ouais, d'accord. Oui, moi. Non, tu mets pas toujours, on te voit comme ça, tout calme, tout. On dirait, ben non, il est surfeur, il est en ski rando, il est ceci, il est cela. C'est toujours un petit père tranquille. Tu es très surprenant, Briag. Mais donc, les conseils que Briag donne, moi, je les écoute parce que c'est du tout, tout bon. C'est du tester et retester. Il y a des années d'expérience et c'est pas fini parce qu'il nous invente toujours des nouvelles choses. Extra. Donc, voilà, pour le bivouac, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour de la question. Pour le bivouac été, qu'est-ce qu'il y a à prévoir en plus ? À quoi est-ce qu'il faut être attentif en bivouac hiver, dans la neige ? La belle image d'Épinal de la tente, avec toute la neige autour. Bah, si on veut pouvoir faire du bivouac hivernal, un peu dans n'importe quelle condition, et on ne va pas utiliser la même tente, il va falloir une tente 4 saisons. La grosse différence avec une tente d'été, qu'on appelle 3 saisons en général, c'est qu'une tente hiver, elle va avoir le double toit qui va descendre beaucoup plus bas sur les côtés, jusqu'au sol en fait. Et de cette manière, on va pouvoir venir mettre de la neige contre cette toile-là et faire une fermeture en bas complètement hermétique. Alors évidemment, ça la tente est moins aérée, mais si on se retrouve dans une tempête de neige, il faut absolument pouvoir se fermer Plutier. Comme ça. Sinon, la neige soufflée hein, en petite poussière, elle va rentrer de partout, ça va être l'enfer, quoi. Et puis la tente intérieure, il n'y a pas de moustiquaire dessus, ou en tout cas, il n'y a que de la moustiquaire généralement sur la porte. Et pareil, pour pouvoir s'isoler complètement de la neige. Après, au niveau des matelas, bah, il faut souvent des matelas un peu plus épais pour s'isoler de la neige. Quand on achète des matelas, il faut regarder la caractéristique, ça s'appelle la air value. C'est un chiffre qui montre si le matelas est très isolant ou pas. Donc ça, c'est la grosse différence. Et puis, bah, évidemment, le duvet, en plein hiver, il va falloir avoir un duvet plus conséquent. Donc, il va être plus gros, plus lourd à porter. Mais ça, c'est le truc indispensable pour ne pas se retrouver en hypothermie en plein hiver, quoi. Moi, j'ai fait des tests, petite anecdote. Je ne sais plus quel hiver, là, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Je suis parti randonner en raquette dans le Jura. Et généralement, comme je pars pas non plus hyper souvent en hiver, je loue un sac de couchage plutôt que d'acheter un truc que j'utilise pas souvent. Et là, j'ai fait un test en fait avec mon duvet été en rajoutant un drap de, enfin ce qu'on appelle un drap de soie, mais là c'était pas de la soie, c'était comme de la polaire en fait, de la microfibre. En rajoutant ça à l'intérieur. Oui, j'en pars toujours en vacances avec. Ouais. Et parce qu'ils vendent ça, ils font toujours des promesses de gain de température énorme. Hein. Ils vendent ça en disant, ouais, vous allez gagner 10 ou 15 degrés en température, etc. Et je voulais tester si ça marchait vraiment. Et ça aide, mais c'est pas du tout. Les gains annoncés sont complètement faux, quoi. Donc j'ai fait une semaine de bivouac en mode un petit peu minimaliste avec mon petit duvet été, avec ce truc là en plus, et donc là pour le coup je dormais vraiment tout habillé avec tout ce que j'avais dans mon sac, hein. Donc là c'était doudoune, veste, bonnet, gants, etc. Et ça l'a fait, voilà, ça l'a fait, mais c'était limite. Bon, après je le savais, hein, c'était un test, mais voilà, vaut mieux partir avec un vrai duvet hiver, être bien au chaud, quoi. Voilà, tout en ne prenant pas pour argent comptant tout ce qu'ils disent sur les températures tropicales annoncées. D'accord. Et louer, donc, ça, c'est une très bonne idée. Ouais. Après, les températures annoncées sur des duvets, si vous regardez des marques qui tiennent la route, il y a plusieurs températures. Il y a une température confort, une température limite et une température extrême. La température extrême, il faut l'oublier, hein, c'est vraiment du bullshit. Il faut regarder température confort ou limite. Et ce qu'on dit en général, c'est que la température confort correspond plutôt à un gars. Et température limite, l'inverse, pardon. Confort, donc la plus haute, correspond plutôt à une fille. Et la limite, plutôt à un gars. Parce que les filles ont tendance à avoir un peu plus froid la nuit que les gars. Ah oui, complètement.
Tout à fait. Ah, ok, ça va. Et donc, tu dors avec tes chaussettes, la totale. Ouais, en sachant que... Les mêmes que pendant la journée? Non, ou... j'ai toujours un rechange, ne serait-ce que par sécurité. Hein, si je suis mouillé, il faut pouvoir se mettre au sec. Et du coup, je prends ce qui est sec pour la nuit. Et oui, en fait, je me change toujours pour être au sec dans le but de ne pas avoir froid. Parce que si on a, par exemple, des chaussettes mouillées, ben, on va avoir froid aux pieds toute la nuit, quoi. Alors, dès qu'on change de chaussettes, en attendant un petit peu, quand on change de chaussettes, hein, que le pied se sèche avant de mettre la deuxième chaussette. Mais c'est important de changer. Il y en a qui dorment avec même leurs vêtements de rechange dans le sac de couchage pour que ce soit bien chaud le lendemain. J'entends qu'ils dorment avec leur batterie et tout pour qu'ils ne prennent pas froid, qu'elles restent opérationnelles. Qu'est-ce que tu bourres dans ton sac de couchage la nuit? Vas-y, dis-nous tout. Les secrets d'alcôve. Ouais, je fais à peu près la même chose, surtout les chaussettes. Les chaussettes qu'on servit pendant la journée, elles sont forcément un peu humides. Et si je veux que le lendemain matin, elles soient et chaudes et surtout sèches, il n'y a pas d'autre choix que de les mettre dans mon sac de couchage. Et comme ça, le matin, elles sont nickel, quoi. Alors que si je commence un matin avec des chaussettes toutes froides et toutes humides, là, encore une fois, pour les gelures, s'il fait froid, c'est compliqué. Donc, je mets ça. Après, si j'ai un haut thermique ou un collant thermique qui est un peu humide à cause de la journée, je peux le mettre aussi dans mon duvet. S'il n'est pas humide, je ne le mets pas. Je le mets éventuellement quand je me réveille, histoire de le réchauffer un peu avant de le réenfiler. Mais globalement, le soir, en hiver, si je ne suis pas humide au niveau des vêtements thermiques, je garde ce que j'ai dans la journée pour la nuit. Parce que se changer par moins 15 degrés dans la tente, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable quand même. C'est très agréable. Et tu tapes aussi la batterie de rechange, le téléphone, enfin tout ce qui... Ouais, les batteries, je les mets au chaud aussi dans le sac, ouais. D'accord. D'autres choses auxquelles on ne penserait pas, que petites astuces comme ça du maître campeur? Ça peut m'arriver de mettre aussi le thermos, parce que généralement en hiver on se fait de l'eau chaude le soir pour le matin ne pas avoir à refaire de l'eau chaude, comme ça dès qu'on se réveille on a du chaud pour se réchauffer si besoin. Et le thermos, il a beau tenir pendant pas mal d'heures, si on le met avec soi dans le sac de couchage, il va être encore plus chaud le matin, quoi. Il aura beaucoup moins perdu que s'il est tout seul dans la tente. Tu es de la team oreiller ou tu es de la team je mets en boule quelque chose pour la tête ou... Alors j'étais de la team sans oreiller jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et ça fonctionne super bien, sauf si on met tout sur soi, on n'a plus grand chose pour faire oreiller, mais en rando estival par exemple, on a souvent une polaire, un machin à mettre. Et là, je dois dire que les derniers 8 mois que j'ai passé en tente, à un moment donné, j'ai craqué, j'ai acheté un petit oreiller tout léger, gonflable, et c'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, ça, Harold, c'était son gros truc chouchou. Il dit, je pars plus jamais sans mon oreiller gonflable. J'ai trop adoré dans les bus, dans les machins. Ouais. Non, il faut avouer que c'est quand même assez confortable. Après, en rando estival, je sais, si je pars pas longtemps, je le prendrai pas forcément, je pense. Parce que ça, mine de rien, c'est pas très lourd, hein, mais ça fait encore ça en plus. Ouais, c'est quand même... Tu as aussi du genre à couper... ça m'avait épaté, un copain qui faisait de la montagne quand j'étais encore aux études, il disait, on coupe l'aile, le manche de notre brosse à dents pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de poids. Tu dis, ah bon, à ce point-là? Ouais, il y a des trucs comme... j'ai une brosse à dents, j'ai une demi-brosse à dents. Enfin, je ne l'ai pas coupée, mais c'est une brosse à dents de voyage. J'ai pris que le morceau qui sert vraiment. J'essaye d'optimiser tous ces petits trucs-là parce que... Ah ouais, vraiment au gramme, alors. Mine de rien... En fait, ça va dans un sens. Enfin, ça peut aller très vite de mettre beaucoup de poids dans son sac, mais ça peut aller aussi assez vite, si on fait attention à tous les détails, de baisser le poids de son sac. Et mine de rien, de gagner 500 grammes, ou même 500 grammes, c'est quand même important, quoi. All right. Rien d'autre dont on a oublié de parler pour les bivouacs d'hiver, non? À part effectivement ne pas avoir rien contre avoir des moins 15 dans la tente, si on va vraiment dans des endroits froids. Mais quand il fait sec, ça se vit bien, en fait. Ouais, la chose compliquée en hiver, c'est de gérer l'eau, en fait. Parce que l'eau va vite geler. Et en général, on va faire son eau avec la neige. Donc, il va falloir avoir un réchaud qui tienne la route, avoir pas mal de,
pas mal de enfin, alors soit on a du gaz, mais le gaz, au bout d'une certaine température, ça va pas bien fonctionner. Soit on a un réchaud à essence, là on est sûr que ça va bien fonctionner. Il faut avoir pas mal de réserves parce qu'on va cramer pas mal d'essence pour faire chauffer la neige et se faire de l'eau. Et l'idéal quand on fait de l'eau comme ça et qu'on veut la boire, c'est de mettre soit du thé, soit mettre une petite pincée de sel dedans pour mettre un peu de minéraux. Parce que sinon, l'eau c'est comme de l'eau de pluie, elle est hyper, hyper neutre, hyper pauvre. Et on risque d'avoir des petits problèmes de transit éventuellement, quoi. Ouais. Ça m'avait bien étonné aussi. Et toi, donc, tu prends quoi plus volontiers, gaz ou essence carrément ou... Bah alors, j'ai fait les deux, mais généralement, si on part à plusieurs, je prends essence. C'est beaucoup plus sûr. Là, quand je suis parti sur une rando tout seul dans le Jura, j'ai pris réchaud. Et après, il faut faire attention aux cartouches. En fait, il y a des cartouches avec des mélanges de gaz qui sont beaucoup plus adaptés à l'hiver que d'autres. Si on prend des bonnes marques avec des bons mélanges adaptés à l'hiver, ça tient quand même jusqu'à moins 10 degrés, ça tient. Mmh. Tu t'es déjà retrouvé en galère, point de vue... Réchaud alors que c'est ça dont tu as besoin pour te faire à boire. Ouais, une fois en Norvège. En Norvège, on était en famille, on est parti 4-5 jours. Et le premier soir, le premier matin, le soir ça avait été, on avait mis la cartouche sur la tête du réchaud, on s'était fait cuisiner. Et le lendemain matin, j'ai voulu démonter la cartouche du réchaud, ce que je fais toujours hein, pour ranger. Dans le sac. Mmh. Et là, il y a une petite valve en fait sur les cartouches pour pouvoir les enlever. Et là, la valve a dysfonctionné, donc tout le gaz s'est évacué. Et puis ça partait tellement fort, je pouvais même pas remettre le réchaud pour refaire étanchéité. Pour le stopper l'hémorragie. Donc ouais. Là, on n'avait plus grand chose dans la cartouche. C'était une cartouche de marque que je ne citerai pas. Et j'ai eu un deuxième problème avec la même cartouche. Et bref, voilà, donc on n'avait plus de gaz, il y avait quand même, c'était un parc national, donc il y avait quelques refuges, donc on s'est dit, bon, avec un peu de chance, on va trouver des cartouches dans les refuges. Et effectivement, on a trouvé une cartouche dans la journée, dans le refuge où on passait, quoi. Donc on n'a pas eu de soucis. Bon, c'est un endroit on pouvait faire du feu, donc au pire, on se serait débrouillé en faisant des braises. Et... Oui, c'est ça. Ok, donc mais ça, vous avez simplement trouvé un dépannage, mais effectivement, sinon il y avait de quoi faire du feu. C'est vrai que c'est pas la banquise, quoi. Sinon, effectivement, ça devient plus important de donc faire bien attention, en tout cas, au mélange dans ces cas-là. Ouais. Après, en hiver, si je pars avec du monde sur le Vercors, par exemple, j'ai toujours deux réchauds, quoi, au cas où. Ouais. Ça, c'est encore pareil, c'est ça dépend vachement de où on va et tout ça. Mais si c'est un petit peu engagé, qu'on a une responsabilité, bon, faut pouvoir pallier à des dysfonctionnements, quoi. D'accord. Autre chose que tu vois pour conseiller en bivouac hivernal ? Où là, on a fait le tour ? Il y a des milliers d'astuces après. Donc on va trouver aussi des infos supplémentaires sur ton blog aussi, peut-être ? Oui, sur mon blog, alors c'est pas un article que j'ai fait sur mon blog, mais vous trouverez le lien sur mon blog. C'est un article invité que j'ai proposé à un autre blog. Mais si vous tapez, je ne sais plus comment ça s'appelle le nom, on pourra peut-être mettre le lien. Tu sais quoi, tu m'envoieras le lien et je le mettrai dans les notes de l'épisode. Comme ça, ce sera le truc pour avoir des références en plus. Et si on a des questions, eh bien, Briègue est là. Donc, vous pouvez le contacter sur les réseaux sociaux. Je crois que je te contacte aussi bien sur WhatsApp que sur email, sur réseaux sociaux. J'ai toujours une réponse rapide. Donc, les réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser. Il les lit et il répond. Super, ben un grand merci pour ça. Peut-être que tu peux nous envoyer du rêve en nous parlant de ton bivouac de rêve, ton réveil mémorable ou ta soirée qui t'a fait que tu te dis non, le bivouac c'est the way of life. peut-être un des soirs sur ma traversée du Jura où je me suis installé sur une bosse. Je savais qu'il allait faire beau, qu'il n'y avait pas de vent. Et je me suis installé à la tombée de la nuit et j'ai eu un ciel étoilé de malade. Il n'y avait pas du tout de lune. Il faisait relativement bon. J'ai pu rester dehors assez longtemps et je suis resté regarder les étoiles pendant je sais pas combien de temps, mais peut-être une heure ou deux avant d'aller me coucher. Et ça, c'était un moment vraiment, vraiment magique, quoi. Il n'y avait rien autour. Il y avait la crête du Jura en face de moi. C'était un moment inoubliable.
Ok, ouais, c'est vrai que c'est, du coup, si tu es en bivouac, tu peux déjà t'éloigner pas mal de la pollution lumineuse, puisque tu peux être loin des habitations, de la première habitation, donc ça, ça peut être vraiment top. Eh bien, merci Brieg pour ce chapitre de l'été sur le bivouac, et on se revoit la prochaine fois pour parler du voyage à vélo. Ok, à bientôt. J'espère que cet épisode te donnera une furieuse envie de dormir dehors. Si tu veux aller plus loin, je te dirige vers la chaîne YouTube de Besoin d'Aventure. Si tu vas sur la chaîne et fais la recherche bivouac, tu vas avoir une belle playlist à t'enfiler sur le sujet. Je te recommande aussi le livre Partir en bivouac, le guide pour oser l'aventure, écrit par Suzanne de l'Instant Vagabond. C'est paru chez Vagnon Aventure et je te mets le lien vers tout cela dans les notes. Petit rappel, si tu es nouveau ou nouvelle ici, simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car Storylifique ambitionne de planter des arbres avec vos oreilles. Nous avons déjà planté ensemble, vos oreilles et moi, 1500 arbres, alors n'hésite pas à partager ce podcast, on a envie de planter bien plus encore. Un grand merci d'avance. J'espère que cet épisode t'a apporté un max de valeur. On se retrouve très vite pour de nouvelles astuces pour un été sous le signe de l'aventure. À bientôt. On a déjà pas mal balayé. Oh, on n'a pas encore fait le vélo. Waouh, nickel. Oh, on est bavard, hein.